Bonjour à vous, c'est Gunch de la FMS Team. Aujourd'hui, je suis là pour faire l'épisode 4. Bon, pour l'épisode 3, il y a eu quelques soucis, j'ai pas pu filmer la dernière agression. En gros, c'est que, en fait, on va sur un sort d'entrepôt et qu'on désingue des mecs sur 3 niveaux. Qu'on récupère, qu'on retrouve ce monsieur-là. Non, c'est lequel? Ouais, non, c'est bien celui-là, là. On le retrouve, mais malheureusement, notre cher collègue, l'autre, là, qu'on a dans le premier, dans le prologue, ce monsieur-là, il le descend d'une balle, et après, en gros, il y a une mallette d'argent, et notre cher, enfin, notre ce qu'on contrôle, il prend pas l'argent, mais elle prend l'argent. Donc après voilà, et après il se retrouve dans le bureau du commissaire, et après en fait, en gros, il demande s'il a pris l'argent et tout, et il dit non, et après voilà, et après, voilà quoi, il exerce le jeu. Donc voilà, donc je vais faire l'épisode 4, hein. Donc voilà, c'est parti. Et normalement il aura un previous glitch ou quoi. Enfin, un truc qui rappelle qu'est-ce qui s'est passé dans la saison avant. Passons-le. Donc, c'est parti. Affaire classée. Donc là, il faut capturer 4 mecs. Bon, équipement tactique, voyons qu'est-ce que je peux mettre. Je peux être tout cette arme. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme arme? Est-ce que peut-être je peux mettre un silencieux? Bon, en tout cas, je peux mettre ça. Yes, silencieux. Ok, bon, et c'est parti. Précédemment, dans Hardline. Les avions volent, les drogues tombent. Qui a monté l'opération? Un connard du nom de Rémi Nel. Ouais, celui-là, voilà ce qui s'est passé. Vous, Stoddard, prenez tout. Voilà, c'est bien l'image. Nick, laisse tomber. Avant qu'on coordonne la zone. Oui, votre honneur. Je m'inscris en faux contre votre évaluation basique des faits. Mais je comprends. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était l'honorable Naomi Kushner. Que pense-t-on de la juge Kushner dans les parages? Pourrie de gauche. Son Altesse ne me donnera pas de mandat de perquisition pour certains associés de Neltz. Ah, ce n'est pas grave. En temps de guerre, on se conforme aux règles? Capitaine Dawes. Nous trois, on forme un conseil tribal. Et j'ai conscience que dans notre tribu, certains membres posent problème. Il a pas pris l'argent. C'était une épreuve. Il fallait que je sache si t'étais fiable. Depuis le tout début, ta partenaire me soutient, Kui. Gentil flic. Si je comprends bien, Neltz a parlé d'un deal avec Stoddard. C'est ça, en effet. Alors retournez au bureau de Neltz et trouvez-moi du concret que je saisisse les affaires internes. Je sais qu'un ouragan approche, inspecteur. Mais le temps presse. Oui, chef. Oh, le divan. Les experts ont déjà enquêté, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ils venaient pas chercher des preuves contre Stoddard. Si on trouve quoi que ce soit, on en réfère direct à Dawes. Si on saisit la police des polices, Dawes réglera le problème. Tu lui fais confiance? Ouais. Si Stoddard tombe, ça ne profitera à personne. Stoddard est véreux, tu le sais aussi bien que moi. Je vais monter la garde. Et toi, vas-y. Ok. Trouve des preuves pour le faire tomber. Volontiers. C'est parti.
Je vais faire le tour du bâtiment, peut-être fouiller les poubelles. Bonne idée. Mais reste en contact. Tu crois que Stoddard a des potes dans le service ? Probablement. Les ripoux se serrent les coudes. Espérons qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Ça me surprendrait pas. Si Stoddard était stupide, il aurait déjà fini en tôle. Vraiment, il y a que dalle. On va monter tout puis rentrer. On va par là alors. Donc, ça s'est fermé. Le mec qui marche sur le cadavre comme ça tranquille. Ouais, c'est quoi ça? Une peluche Tamu. Ok, d'accord. Cool. C'est franchement chouette. Il y a pas longtemps. Ok, ça c'est fait. J'ai trop ouvert ça. Hop. Oh. Ok. Je crois que je peux décrypter ce code. C'est pas une autre preuve dans le coin. Que dalle. Bon, mais allons faire ça. Lol, le mec il fait clac-clac comme ça. Bingo. Police d'assurance de Rémy Nelt, première prise. Vendredi 14 août au soir. Je vais voir Stoddard. Maintenant, il faut trouver des conditions de collaboration qui nous conviennent à tous les deux. À mon avis, c'est du... Stoddard. Je te tiens. Mm-hmm. Guy, j'ai trouvé un truc. Je descends. Ok, moi je suis en bas dans le conteneur de fret. Je crois qu'il y aura de l'action là. Je crois qu'il y aura de l'action. C'est ce que si on doit descendre. Peut-être de voir du mouvement, je crois, là, non. Bon, ben on verra bien, hein. On trace la route. Même pas, il y a personne. Ah, ouais, faut passer par là. Okay. T'as trouvé? Yes. Nel, c'est Stoddard, les grandes confessions. Maintenant, on a du concret pour les affaires internes. Rémy stockait son cache quelque part. Je parie que Stoddard est aussi à sa recherche. Regarde là. C'est quoi ce truc? Je préfère pas savoir, c'est pas mon domaine. D'après Internet, le seul endroit à Miami à vendre ces trucs, c'est Domo Roboto, à Palm Court, le centre commercial. Wow. Il aurait pas caché son fric là. Non, c'est pourquoi j'ai chopé l'adresse de l'entrepôt. Ah, ça mérite une petite virée. Ok. Bon, j'aurais pensé qu'il y aurait quelque chose, mais non. Ok. Bon. Next. Où cela va amener?
quand ça veut, hein. Tu veux mon avis ? Évite l'entrée principale. Ok. Si jamais Stoddard sort sans moi, attends-toi au pire. D'accord, comme d'hab, quoi. Ok. Good. Nick, le PC vient de me signaler un van suspect. Je le suis, d'accord ? Ouais, d'accord. Mais reste en contact. Alors, on va marquer. Avec Attendis, je crois que ce sera un peu limité. On va voir si j'ai un sniper. Ouais. Contre. Ouais, une tête suffit pour celui-là. Ah merde. On a un agent à terre, à terre, à terre. Bon, on va éviter de faire le fou avec ça. Je vais plutôt prendre le SCOM. Je vais changer par contre la visée, c'est un peu horrible cette visée. Prenons un fou, hop. Aucun casque à soir. Ok. J'espère que je vais pas revoir pas besoin. C'est. Ok. Je le suis, d'accord ? Ouais, d'accord. Mais reste en contact. C'est pas le moment de se taper un cyclone. Ouais. C'est en mode furtif. On va essayer. Je crois que j'aurais dû prendre. Je prends un truc pour remonter en haut. Fissa, fissa. Sans reprendre autre chose, on va prendre le grappin.
Ça a l'air fermé. Passe par le toit. Ouais, bonne idée. Les mains en l'air. Bien en vue. Ok, ok. Deux bâtiments. Truffé de garde. Rappelle-toi ce qu'a dit Dose, Mendoza. T'emmerde pas à leur lire l'endroit. Ça, c'est fait. Ça pénètre le goût. Là, je peux passer où? Les mains en l'air! Bien en vue! Ok, on se calme, d'accord? Arrêtez le suspect, PC. On vient vous le chercher, Trev. Ok. Bon, mais... voir. Brûlez, ce connard. Ok, d'accord. Voilà.
On s'est calmé les jeunes là. Il est forcément par ici. Je voulais faire en infiltration, mais... Cramez-le ! Par ici ! Merde, ils sont tous en haut. Allez, monte à ton chou. En toi. Criez-le ! Ah, foiré ! Putain, mais ils sont tous en haut comme des cons. Hé hey, de ce côté. Hé hey. De ce côté. Par là. Hé, hey, il est en bas. Par là. Ouais, il est en bas, ouais. Ouais, il est en bas, ouais, vous avez vu. Un mort. Un mort. Le feu va le déloger. Le feu va le déloger, ouais, je sais même qui va le déloger là maintenant. Tu vois. Putain. Je dois pouvoir entrer par là. Ok. Bon, on va voir s'il y a du monde sur le toque. Bon, moi, il n'y a plus personne. Hop, c'est parti. Là-bas où ? Ouais, c'est pas. C'est parti, rentrons dans ce tour. Repère. Peut-être qu'il dira un truc qui l'incriminera. Ok, d'accord. Messieurs, votre weed, je m'en branle. D'ici 2 ans, ce sera devenu légal, de toute façon. Moi, il y a un seul truc que je veux savoir. Où est le fric de Nelt ? Ce fric qui nous l'avait promis, tête de nœud. Ouais, ok. Tête de nœud. D'ailleurs, je suis le nouveau boss. Vous comprenez ce que ça implique ? Imagine que tu bosses sur une enquête et t'as un connard qui s'amène en traflant tout le mérite. Tu dirais quoi ? Je dirais... on peut en parler. Hmm ? Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On y va ? Salerie. Il a emmené plusieurs hommes en bas. Ok, suis-le. On va prendre autre chose, je pense. Pour cette mission, je vais prendre le petit P90. Un club de golf. Lol. Du tout, Annette. Il a passé des semaines. Pendant 3 jours, il nous a fait un truc à la James Mason. Et lol. James Mason ne ressemble même pas à une gaufre. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de lui répéter. Oh, je vois, tu préfères donc les fraises sur tes gaufres. Ma foi, tous les goûts sont dans la nature. Bref, remets-toi au boulot. Descends, il faut que tu suives Stoddard. Ah, je suis bien d'accord, mais il y a beaucoup de gardes. Hein. Il se passe quoi là derrière ? Ils discutent. On n'a pas franchement envoyé le meilleur négociateur. Moi, je vais commencer ici plus tard, mec. C'est ça ton problème. Il est un peu comme le type qui entend parler d'un groupe 2 semaines après la mort du batteur d'origine. Il se porte au concert et. Je sais pas pourquoi tout le monde t'en a fait. Ce que j'en dis, c'est que c'est une opération délicate et que tu te fous de ma gueule. Arrête-toi tout de suite ! C'est quoi ce bordel ? Ce bordel, c'est que je t'arrête. Ils
savais y faire pour plein de trucs improbables, comme faire du pognon depuis se promener dans les Everglades. Tu sais comment lui est venue l'idée de blanchir l'argent grâce au dessin animé, hein? Encore cette histoire? Vas-y, amuse-toi à faire flipper le gamin. Grâce à un fantôme. Sans déconner. Rémi était sorti en boîte, et il a levé une nana, chez Bonneuse. Il l'a ramené chez lui, et en plein milieu de la nuit, elle est sortie du plumard pour connecter un dessin animé. L'histoire du monstre. Lol. Ils sont vraiment cons quoi, ou c'est moi? Là tu parles de gof. Arrête, je te jure que c'est vrai mec. Disparu. Et il y a une gaufre sur l'écran, tu vois. Alors Rémi comprend. Gaufre. Tamou tamou, c'est la gaufre. What? Et le sucre? Ouais. Ah, c'est ce qu'il récolte dans les Everglades. Ok, d'accord. Cette herbe, c'est la saison. C'est vraiment marrant l'inspiration. Ok, je vais parler plus fort. Tu prends toujours des paris ou pas? Quoi? Oh, ok, super. Bon, j'ai le papier. Okay. Alors, première course de l'Ouest de la Loire. Non. Je peux pas bouger là. Chaud. Parle mon cul, ma tête est malade. Ah mais si je suis trop cul, tu y vas. C'est chaud. Bon, si je l'arrête de celui-là, hop. Il y a deux osios. Je crois que le plus soit de rater ces deux osios là. En arrivant par leur angle mort. Stop! Les mains en l'air! C'est pas bon. Ok, ok. Putain de merde. What?